Peggy 12. Rue coucou tout le monde, j'espère que ça va toujours. Moi je poursuis avec ce personnage. C'est bon, c'est parfait. On a réussi à monter. Je sais pas si je peux monter là-haut, non, je peux pas. Je peux que descendre par l'échelle. On va tous se retrouver dans le même endroit, vous allez voir. À mon avis, lui, ce qui va lui arriver, c'est qu'il va prendre le tank par derrière. Ouais, tu vois, justement, ça va être ça. Il faut pas oublier que chaque personnage, à mon avis, doit avoir des casiers différents. Non, c'est bon. Ça fait bizarre quand même, hein. Il y avait un coffre-fort là-haut, mais je pense pas qu'il était... tu pouvais l'ouvrir. Donc là, on est passé tout à l'heure, il y avait rien. Et merde, qu'est-ce que je fasse contre deux personnages, moi. Ah, ils m'ont liquidé tout de suite. Ils ont même pas cherché midi à 14h. Ils m'ont tout de suite neutralisé. Donc je pense qu'en fait, tout simplement, il fallait que je passe par derrière. Ah, ils sont très rapides, hein. Mais c'est bien parce que je vois qu'ils ont mis des nouveaux gardes. Donc là, les amis, c'est juste là qu'on va passer. Eh, mais ça, y a rien. Eh, je suis déçu, là, y a rien. J'ai pas de pierre, j'ai pas d'indice, j'ai rien. Et en plus, à mon avis, ils vont pas se retourner d'aussitôt. À moins que la lumière, vous expliquez ça, soit neutralisée, mais je pense pas. Ça m'étonnerait que la lumière soit neutralisée. Donc on peut attendre comme ça 5 minutes. Et l'autre, il gueule derrière. Attends, je vais essayer de montrer ma face de citron. Ah, ça veut pas, hein. C'est bon. Venez, venez, venez. Ah, d'accord. C'est tout ce qu'ils font. Si je l'assomme, je vais encore me prendre un coup. Et là, après, dites-moi pas que c'est pas moi qui joue mal, hein. Parce que je vous assure, hein, pendant que vous serez à ma place, vous direz... Vous penserez différemment, hein. Par là, je peux pas passer. Y a pas d'interrupteur quelque part ou... Non, y a rien à actionner. Je fais demi-tour, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai dû louper. Là, peut-être. Pour activer quelque chose ou désactiver quelque chose, plutôt. Non, y'a rien, mais t'es pas sérieux. Comment tu veux que je fasse? Ah oui, il peut creuser, c'est vrai. Ah, j'avais carrément zappé cette histoire. Voilà, en fait, c'était moi qui avais un petit peu déconné. Là, tu repars en bas. C'est bien fait quand même, hein, d'un côté, mais c'est assez prise de tête, hein. Ça ne rigole pas. C'est bon, ça se passe plutôt bien là. Et là, ça sera à moi de jouer. Je vais essayer de lui faire la misère. Oh la pote, bah c'est des dépêche-toi, body. Faut vite que tu sauves le soldat. Oh le con, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça non plus. Merde. C'est pas comme ça non plus. Eh, hey, je vais devenir fou, moi. En fait, faut que j'en fasse plusieurs comme ça. Bon, je vais voir si je peux pas encore le mettre différemment. Attends, attendez. Je pense que je vais essayer de les... Je peux rien faire avec ça, en fait, finalement. Eh, je suis dégoûté, je peux rien faire. Il y a juste des petits morceaux de dynamique qui est en train de coulisser depuis tout à l'heure, mais c'est tout. Ah bah justement, peut-être qu'il pourra me sauver la vie. Non mais il a fait demi-tour. Il m'a tué tout le monde. Ouais, ouais, justement, oui, il m'a tué tout le monde. Donc en fait, faut se dépêcher, faut bien tout de suite assimiler la chose. Hein. Donc j'ai que 3 ou 4 va-et-vient. C'est peut-être moi qui ai encore... Attendez, j'ai compris ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est bon. C'est bon, j'ai compris les amis, vous inquiétez pas. Donc ça, on va le mettre là. Parfait. Ah oui, d'accord. Ah bon, en fait, finalement, j'ai rien compris. Putain, pour une fois, j'étais bien. J'avais réussi du premier truc. Eh, c'est pas abusé, franchement. J'avais réussi quasiment. Donc là, on va faire ça.
C'est bon, il va péter. On va lui mettre quand même une couche supplémentaire au cas où. Donc le moteur est endommagé. L'indice, ouais, j'ai bien compris que c'est ça. Purée, eh mais c'est impressionnant comment ça va vite, hein. C'est bon. Non, je l'aurai pas, il va me les incendier. Mais pourtant, il n'y a rien, hein. Le tank, on est bien d'accord, c'est qu'il va pas poursuivre plus loin son chemin, hein. Il a été bloqué. Mais non, dans la réalité, là, soi-disant que le tank les a pulvérisés. Mais je suis pas d'accord, hein. Donc maintenant, à moi de calculer bien mon coup. Fait des passages comme ça qui sont assez chiants, quoi. Voilà. Donc là, on va taper plutôt là. Ouais, mais comme par hasard, ça me sert à rien du tout. Où est-ce que je dois taper? C'est quoi? Je vais tester leur indice. Ouais, mais ça, j'ai bien compris. Et on tape où après? Donc celui-là a bien glissé, parfait. On va taper là. Non, négatif, on va taper en plein milieu des deux. Le truc il part un peu trop. Là, c'est pas trop ça. Moi je m'en fous, je tape comme un bourrin. Je ne cherche même pas à comprendre qu'est-ce qui se passe en bas. Je le pulvérise. Mais pourtant, j'avais un morceau de dynamite, il s'est limite éteint. C'est pas vrai. Putain, il est tordu leur jeu. Il faut taper au millimètre près pour que ça rebondisse à tel endroit, à tel moment ou à telle fraction. Oh, j'en ai marre des jeux comme ça. Ça commence à me rendre fou. Allez, vas-y, mon petit là. Dépêche-toi, j'ai envie de rentrer un peu en action. Donc là, ils m'ont mis un deuxième indice. En 4, 3, 2, 1. C'est bien, on peut attendre comme ça tranquillement. Je tape où, à quel endroit? Putain, c'est vrai, faut taper genre dans le tonneau, quoi. Ça, c'est pas con, ça. Ça, j'y ai même pas pensé. Mais en tout cas, j'ai réussi à faire le truc correctement tout à l'heure. Hein. C'est pour ça que je comprenais pas, en fait. Je me suis dit, mais comment tu veux que je fasse coulisser les trucs? Oh là, elle est en train de prendre cher là. C'est bon. Je pense que là il va exploser une bonne fois pour toutes. Ne me dis pas qu'il va encore rester en vie. Hey, il arrive toujours à s'enfuir le mec, hein. Toujours à s'enfuir. Et moi j'arrive à toujours me faire arrêter. N'importe quoi, je te jure. Waouh, waouh, waouh. Ne fais pas tout exploser, voyons. Oh, oh, oh. Ils ont explosé toute la réserve des explosifs. Malgré l'explosion d'une partie du fort de Duomu, les Allemands réussirent à tenir leur position. La mission fut un échec. Je sais pas si c'est la fin. Ah non, c'est ce que je me suis dit, parce qu'en fait il y a plusieurs chapitres, hein, vous inquiétez pas, il y en a 4. Ma chérie, la guerre vient de m'enlever un ami très cher, et mon cœur pleure cette disparition qui m'affecte plus que je ne l'aurais cru. Karl est à l'abri du danger des tranchées, sa santé s'améliore doucement. Je compte, dès que cela sera possible, demander une permission pour aller lui rendre visite. Et vous, comment allez-vous? La situation s'est-elle améliorée à Saint-Mihiel? Karl découvrit qu'il n'en était rien. À en croire la lettre qu'il venait de recevoir, son fils était gravement malade. Karl prit sa décision. Cette guerre ne finirait jamais. Il lui fallait s'échapper. Button.
Et voilà, là vous jouez avec le quatrième personnage, les amis. Ouais, bah ça, je sais qu'il me faut une pince, mais où est-ce qu'on la trouve? Ah oui, à l'intérieur. Ça tombe bien, il y a un nain en plus. Elle pourra peut-être m'aider. Eh, les chiens ici, ils ont trop faim. Faut que je trouve un steak. Camp de prisonniers en France. D'accord, je découvre des trucs secrets en appuyant un peu partout. Ah, je peux pas passer. Je peux faire... Il y a un truc là-haut, en fait. Bon, on repart, nous, par là. Alors, à votre avis, c'est pas où? On explore un peu le camp, quand même. Donc là, il se bourre la gueule. Ça, c'est plutôt... bizarre. C'est quoi, ça? Il a pas la possibilité de sauter, il a rien. A mon avis, c'est à l'intérieur qu'il faudra faire un petit tour. Ouais, lui, il veut prendre la douche. Oh, j'adore ces casse-têtes. Aline, ça bien. Oh les malins, c'est pas vrai, j'avais actionné ça et ça m'a pas fait la même chose. Oh. Hey. Ok. En fait, faut les faire coup par coup. D'accord, bon en fait, ça sert pas trop à grand chose que j'ai fait, mais c'est pas trop grave. Ah ouais, c'est tordu leur truc, hein. Voilà, là, maintenant je sais que je vais être en bonne position dans quelques instants. Bien positionné. Oh bah merci pour le petit médaillon. J'avais même pas vu qu'il y en avait un. On va le faire différemment. Attendez, parce que celui-là. Voilà. Et là, il me manque à en tourner un. Ça peut être quelque chose d'intéressant là. Donc là, ça coule. Attends, si en fait c'est tellement con le truc. Je sais pas combien de trucs ils tournent en même temps. Ouais, ok. Ça, c'est aligné. Faut pas se mentir, ça doit être comme ça. Mets-le bien s'il te plaît. Merci. Et maintenant, tout se joue là. À mon avis. Hein. Ah, comme par hasard, j'avais fait bien un truc. L'indice. Alors, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Ah bah, c'est bon, je l'ai fait. Et après? Le premier arrivage est bon. À mon avis, il faut que je descende en bas. Ça sert à quoi, ça? On va sortir quand même, on va tester avec le truc. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec la gouttière de l'extérieur qui était un petit peu fissurée. Voilà, c'était tellement logique cette fois-ci qu'il n'y avait rien à faire là-haut. On pouvait passer 2-3 heures, limite, il n'y avait rien. Désolé. Donc maintenant que ça a été installé, il ne me reste plus qu'à tourner les trucs. Donc ça a été bon. C'était quoi que j'avais pas changé? Une petite seconde. Et ça va, le levier il marche plus. Donc c'est juste maintenant pour tourner. Bon, c'est quoi? Je vais actionner leur deuxième truc. Non, c'est bon ça. Bah, je peux plus rien faire en fait. Je l'ai déjà fait en fait, tout simplement l'arrivage. Ouais, bon, en fait, je suis con parce que l'arrivage est déjà fait. Donc le mec, il a déjà sa douche. Et voilà, il est content. Il m'a rien donné comme cadeau. Ah, si justement j'ai ça. Je crois que c'est des câbles électriques ou un truc comme ça. Donc dans cet endroit, il y a quoi? Il n'y a rien. Je vais un peu explorer le camp parce que... Ah,
La petite crampe que je me suis pris. Il faut aller voir des fois leur truc, hein. Des saucisses. Ah, comme par hasard. Eh, c'est derrière ça. Ah, mais attends. Peut-être que le câble il va servir à faire ça. Deux petites secondes. Je crois que j'ai loupé un détail assez important. Je pense que c'est le câble que je dois apporter au mec là. J'ai pas forcément appuyé tout à l'heure. Non, lui s'en fout complètement. Moi, ça c'est réglé. Je vais partir de ce côté-là. Y'a quoi là? Y'a rien. Le chien a faim. Non, mais on peut pas passer. Donc c'est assez réduit. Donc ça va. Je vais pas chercher pendant une heure, voire deux. Donc toi, je sais que t'as faim, mon petit. Donc ça, c'est les saucisses. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Là, je vous montre ça. Donc, le câble, à mon avis, c'est là-dedans. Et il y a tout ça encore. Ouais, mais c'est quoi ce camp? Comment il est énorme. Lui il veut entendre rien du tout. Je pense que là il y a un petit chemin ou un petit ah bah c'était par là où j'étais tout à l'heure en fait. Il y a un petit indice là que j'ai même pas fait attention. Un petit livre. J'adore les trophées. Bah voilà, c'était ça. Je suis pas sûr hein. Ah, il s'en fout complètement. C'était pas ça. Vive la trousse médicale. On va tous les faire, non? Non, je peux rien faire. Oh, le truc. Je pensais que ça allait descendre, mais ça va pas descendre. Je pense que c'est lui après qui me les enverra. Mais le câble, il est où alors finalement? Donc les saucisses, je sais qu'il a faim, le mec. Lui veut ça, ça je sais, c'est où ça? C'est tout ce qu'il veut. Alors pourquoi j'ai ce câble alors dans ce cas-là? J'ai loupé un détail ou quoi? Dortoir, il n'y a rien à ramasser. On était tout à l'heure ici, rien. Je pense que c'est encore un truc avec le mec dans la flotte là. C'est sûr et certain. Vu que c'est ce feignant qui me l'a donné. Là, ça m'étonnerait que tu fasses quelque chose avec ça. Non, mais c'est bien, mais en fait, il me met dans l'erreur. Là, il n'y a plus rien à actionner, parce qu'on a déjà tout actionné. Vous savez quoi, je vais attendre quand même leurs 6 secondes là, mais je pense qu'on a déjà tout. Hein. Tu vas pas me dire que le cap que j'ai va me servir à insérer quelque chose. Oh bah oui. Ça, je sais que c'est activé, t'inquiète pas. Donc cet endroit là, on est bien d'accord, c'est bon, il a été fait. Lui, il peut pas parler, il peut rien faire, non. Non plus, oh c'est pas possible. Là, il n'y a pas un truc avec le linge à faire. Les sacs. Peut-être qu'avec ça, je peux accrocher la corde. C'est quoi? Je vais chercher un truc d'un... Je pense que ça a quelque chose à avoir, en fait. Ces sacs pour qu'en fait, ils puissent me descendre les sacs. Parce que pour l'instant, il en a rien à foutre. Donc... En fait, il y a un ordre chronologique pour toutes les pièces. Oh, quel dommage. On va chercher de la saucisse après pour l'individu. Il n'y a pas une trousse d'infirmerie quelque part? Non, il n'y en a pas. Eh bah tiens, justement, je sais pas si vous avez remarqué, le chien a besoin du nonos, il est là-haut. Oh. Et là, je peux pas passer en plus. Quelque chose à faire avec lui, en fait. Je peux pas le taper, celui-là.
C'est lui qui bloque tout en fait. Je peux rien faire. Il bloque tout. Ah d'accord, le prochain indice c'est dans beaucoup de temps. Ça je l'ai vu. Qu'est-ce que je peux faire avec lui? Je peux rien lui ramener en plus. Là y'a rien. Oh, ne me dis pas, faut que je repars au niveau des secondes ici. Eh bah oui, justement, faut patienter. Donc voilà les amis, je vous retrouve tout de suite dans le prochain épisode pour voir la suite. Ok, à tout de suite. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et j'ai créé aussi un site internet, ça vous permettra de tout simplement trouver pas mal de choses très intéressantes dessus. Tous les liens sont dans la description, et si vous cherchez aussi des bons plans, c'est également dans la description. A bientôt les amis, prenez soin de vous, et à très bientôt.